On se sent ému, content, satisfait d'être là, présent aujourd'hui. C'est quand même une belle chose. Quand on voit le nombre de chevaux qui naissent et le nombre de partants dans les poules, c'est une belle histoire. La Cressanière, c'est-à-dire qu'on l'a élevée, donc ça appartient à M. Gérard-Augustin Lormand, qui a été élevé à la Covinière. Et il en a cédé la moitié à Antonio Caro quand elle était yearling, parce que comme l'association s'était bien déroulée avec Avenir Certain, donc il a voulu renvoyer l'ascenseur et lui vendre la moitié de cette pouliche.